Mon père rentrait du boulot avec cette idée brillante. Tu vas aller à Liberman te renseigner parce que tu vas faire des cours d'italien. Tu vas aller en Italie étudier médecine. Mon ami a son enfant là-bas et il dit que c'est facile. La précision que je devrais faire au début est la suivante. Je n'avais pas un projet ni n'avais particulièrement envie de venir. Comme tout élève, on a des objectifs d'aller à l'université, de poursuivre ses études le plus longtemps possible. Bon, comme je suis un garçon pas patient, je n'ai pas aimé l'ambiance que j'ai trouvée jeune de mon état. Vous savez, quand on arrive, quand on sort fraîchement du collège, bon, on a encore la tête pleine, bien pleine. On veut étudier. On a cette hargne d'aller le plus loin possible avec les études. Tous mes amis étaient là. Le matin, ils se réveillent. Ils vont faire un tour à l'université. Le soir, ils rentrent sans rien faire. Voilà donc autant de choses qui ont commencé à susciter à moi un raisonnement. J'ai donc commencé à cogiter. Donc, j'ai réussi mes cours. Je suis arrivée en Italie. Dès mon arrivée à l'aéroport, bam, il y avait trop de blancs. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais plus chez moi et je ne savais pas exactement quand est-ce que j'aurais pu revenir chez moi. Et là, c'était déjà le premier stress, mais bon, il y avait le voyage, les bagages, parce que déjà personne ne m'attendait à l'aéroport. Je savais pas, j'étais censée savoir parler italien, mais bon, n'ayant jamais pratiqué, je ne savais pas grand-chose. Mais l'image que moi j'avais de l'Europe, c'est quelque chose, le paradis quoi, le paradis, quand je quittais du Cameroun. Mais déjà après une semaine, tout le beau rêve avait disparu. Tes parents qui te manquent. Tu vas prendre les renseignements pour le prétexte de médecine et tu te rends compte que vous êtes peut-être 500. Je me suis inscrit à l'université de Pavia, à la faculté d'économie, d'entreprise. Et mon voyage pour l'Europe est lié à ça.
celui de voyager, à créer des connaissances, rentrer dans mon pays pour les mettre en application. Parce que le pays a vraiment besoin de ça. Bon, à l'époque où je suis arrivée dans ma ville, on ne donnait pas de chambre universitaire, donc j'ai dû trouver un appartement. Il fallait déposer la question, tous mes travaux chèques étaient à terre. Je ne trouvais pas de boulot. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais trouver un boulot. La banque faisait les problèmes qu'il y a d'habitude avec la caution, qui n'arrivait pas. Parce que je me suis rendu compte que, même en Europe, les gens souffrent. Je me suis rendu compte que, au pays, nous qui croyons que l'argent se ramasse, que tout est facile, à peine tu arrives, toutes les petites sont à tes trousses, les filles à la gogo. Non, ce n'était pas ça. Quand on vient tous en Europe, c'est vrai, beaucoup viennent étudier. Mais sur 100% de ceux qui viennent étudier, 80 ou 70 n'arrivent pas à terminer leur étude. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que parfois ils sont contraints. Il y a cette pression là derrière, parce que quand tu voyages vers l'Europe, il y a la famille derrière. Et ils se disent, et ils ne connaissent pas la réalité qu'on vit sur place. Et ils se disent que quand tu es arrivé, tu as tout, tu es un millionnaire, tu peux envoyer d'argent comme tu veux. Or, ce n'est pas ça. Ils ne nous laissent donc pas le temps d'abord de faire nos études, puis de voir après. Ils ne sont pas patients. Et voilà, du coup, je me rends compte que la petite fille qui voulait être libre, en fait, avait encore besoin de ses parents. C'est honteux, mais bon, c'est comme ça. Il y a certains qui sont aussi bien avant les autres. Tu peux trouver ton frère qui est ici peut-être 5 ans avant toi. Tu le vois dans des grosses voitures. En peu de temps, tu voulais aussi être comme lui. Voilà donc les choses qui commencent à cliquer. Nous tous, on cherche. Qui n'est pas facile pour qui cherche vraiment de s'entraider comme il faut. Parce que la vie des Noirs de la diaspora, nous de la diaspora ici en Europe, est un peu comme les comparables aux animaux de la jungle, où c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. La chose que je tiens à préciser à tous ceux qui m'écoutent du Cameroun, c'est de ne pas se laisser embobiner par ces mbenguistes qui viennent vous tromper là. Parce que ils arrivent, ils louent des hôtels, ils ont de belles tennis, ils font la belle vie, Coladera et tout ça. Et on a tendance à croire que c'est le train de vie quotidien de quelqu'un qui est ici en Europe, à part ce qu'on appelle Féman. Un étudiant ou un travailleur normal ne pourrait jamais tenir comme ça ici en Europe pour, disons, un mois. Donc, du coup, quand tu dis à quelqu'un du pays, non, c'est difficile, tu te dis, non, la femme de telle est venue ici, il allait tout le temps en boîte, il nous dépannait 10 000, il faisait ceci, non. Il vous dépannait 10 000 parce qu'il a travaillé pendant un an, il ne mangeait pas, il mangeait que le strict nécessaire. Les universités en Europe, pour nous étudiants, offrent plus d'avantages que les universités en Afrique. Chez nous, par exemple, il n'y a pas la bourse d'études. C'est normal qu'un étudiant veuille aller en Europe ou aux États-Unis continuer ses études. Mais moi, pratiquement, au Cameroun, je ne perds rien. Puisque je ne vais pas, je ne suis pas en Italie pour rester. Je vais entrer dans mon pays pour planifier ce que j'ai étudié ici en Italie parce qu'il me donne cette occasion-là de pouvoir aller le plus longtemps possible avec mes études. Or, dans mon pays, on ne m'a pas accordé ces occasions-là. Donc, moi, je ne regrette pas ma position ici. Je tiens à souligner que pour moi, l'Europe, ce n'est pas une expérience que je déconseillerais, ni n'encouragerais, dans ce sens que pour moi, c'est une décision que chacun doit prendre personnellement. Mais le problème, c'est qu'en prenant la décision, il faut savoir exactement où on va. Si les Blancs ont instauré cette fameuse caution, ce n'est pas parce qu'ils veulent nous appauvrir, mais parce qu'elle sait vraiment. Bon, c'est vrai qu'il y a des familles au Cameroun qui ne peuvent pas se permettre ça, mais à mon humble avis, si tu ne peux pas te permettre ta caution, ou au moins se envoyer de temps en temps, dans les premiers mois, quelque chose à un enfant, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer ici parce que ici, ce n'est pas comme au pays où tu vas manger chez la voisine ou chez la tante. Il faut que tu prépares ta nourriture, que tu payes ta chambre, que tu fasses tes choses parce que personne ne peut les faire à ta place. Même si quelqu'un veut, il n'a pas la possibilité matérielle de le faire pour toi.